paix soit avec vous. Nous pouvons nous asseoir quelques instants. Je suis heureux de saluer les membres de notre assemblée ici, en la cathédrale Sainte-Marie d'Auch. Saluer aussi tous ceux qui sont unis par la prière, par les ondes, et de saluer bien sûr tout particulièrement Monseigneur Christian Delarbre, archevêque nommé d'Aix-en-Provence et Arles. Heureux de saluer sa famille qui est parmi nous, venue de Lectour, ses proches, ses amis, ses relations de la paroisse Saint-Bertrand de l'île Jourdain-Cologne, mais aussi de tout le diocèse, celles et ceux qui sont venus d'un peu plus loin, et particulièrement Monseigneur Jean-Marc Mica, évêque de Tarbes-et-Lourdes, qui a fait la route ce soir. Parmi ceux qui sont venus d'un peu plus loin aussi, il y a des guides d'Aix-en-Provence. Très heureux de célébrer l'Eucharistie avec vous ce soir, avant de se retrouver chez vous le 2 octobre prochain. Il faut bien dire que nous ressentons tristesse et fierté. Tristesse de vous voir partir, cher Père Christian, mais aussi fierté de votre nomination. Je me suis réjoui en arrivant ici de vous retrouver. J'ai bénéficié de votre présence, de vos conseils très particuliers, spécifiques. Et je me console en voyant le peuple de Dieu rassemblé ici, dans cette soirée du mois d'août. Peut-être pas toujours commode, mais il est bon que nous puissions nous voir ce soir. Je dis que je me console en voyant le peuple de Dieu dans le Gers, parce que vous l'avez formé, ce peuple de Dieu. Et, chers amis, nous avons bénéficié de l'enseignement du Père Christian. Il ne sera plus avec nous, mais alors rappelons-nous ce qu'il nous a enseigné. Rappelons-nous dans le cœur et rappelons-nous aussi pour le mettre en pratique et pour poursuivre la mission. Vous avez formé ce peuple comme enseignant, comme pasteur à l'île Jourdain, comme vicaire général du diocèse, comme prêtre aussi. Et cela vous prépare à votre mission épiscopale. L'appel de Jésus à veiller dans l'Évangile est aussi, je crois, un bel encouragement. Père Christian, vous serez toujours le bienvenu dans le diocèse d'Auch et particulièrement à la maison diocésaine. Alors ce soir, cette messe est un peu particulière. Avec saint Paul, avant le grand moment de l'ordination épiscopale à Aix, nous rendons grâce pour le ministère de notre ami le Père Christian dans le diocèse d'Auch. D'abord. Oh.
Chers amis, frères et sœurs dans le Christ, nous avons pour cette messe d'action de grâce choisi de garder les textes prévus pour la liturgie de ce jour. Ils me paraissaient en effet très adaptés à la circonstance. La première lecture et le texte de l'Évangile portent chacun un message que nous pouvons recevoir ensemble aujourd'hui et que je peux recevoir, quant à moi, de façon plus particulière. L'épître de saint Paul porte le message de l'action de grâce devant tout ce que le Seigneur nous a donné. Et l'Évangile porte le message de toujours se tenir prêt, d'être des serviteurs vigilants, en éveil. Revenons d'abord sur le message de l'épître. L'apôtre écrit: je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu, car le témoignage rendu au Christ s'est affermi fermement parmi vous. Chers amis, je voudrais reprendre à mon compte ces paroles de l'apôtre. Et en effet, rendre grâce à votre sujet. C'est d'ailleurs ce que j'ai exprimé après ma nomination dans le courrier que j'ai envoyé aux fidèles du diocèse d'Auch. On ne peut pas être prêtre sans la foi des fidèles. Les riches années de ministère dans le diocèse d'Auch sont pour moi une succession de rencontres et d'émerveillements pour la foi active des fidèles du Christ, pour la fidélité de tant de chrétiens à leurs engagements, à leur vocation, se dévouant pour le Seigneur au nom de son Évangile dans toutes sortes de tâches et d'implications, que ce soit auprès des jeunes, que ce soit ceux qui visitent les malades, engagés auprès des pauvres ou des migrants, actifs dans combien d'associations culturelles ou sportives, présents dans les associations professionnelles et dans les charges électives. Je me rappelle une anecdote à l'île Jourdain. La mairie organisait un forum des associations et la paroisse, avec la catéchèse, l'aumônerie, c'était l'aumônerie, qui était présent dans ce forum d'associations. Je fais le tour de toutes les associations, pas seulement de l'aumônerie et de la catéchèse, partout je voyais des paroissiens, dans chaque association, au basket, à la Croix-Rouge. Et cela me remplissait d'une grande joie et d'une grande fierté. Mais aussi la fidélité et l'espérance de tant de chrétiens que j'ai rencontrés quand ils étaient en situation de maladie ou de grand âge, et dont la foi me forçait au respect et à reconnaître la présence, la force du Seigneur dans ces vies abîmées, la beauté de leur vie abîmée par leur foi qui les transfigurait. Donc je rends grâce avec l'apôtre, car je suis témoin de tout ce que le Seigneur vous a donné dans le Christ Jésus. Ce témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous, et sans cela, moi, je ne serai pas au milieu de vous pour être prêtre. Ainsi, de cette action de grâce, tirez votre espérance. Les charismes sont multiples et il y a une certitude de foi qui m'habite depuis toujours. Oui, le Saint-Esprit a donné, a tout baptisé, des charismes pour œuvrer à son service. Quel que soit son âge, quel que soit son état de vie, quelle que soit sa santé, et il est de la responsabilité première du pasteur d'aider chaque baptisé à découvrir les charismes qu'il a reçus et à les faire fructifier. C'est là, pour chacun, sa voie de sainteté. La voie de sainteté, c'est de vivre les dons de l'Esprit Saint. Vous tous qui êtes présents, vous savez cela, vous en avez fait l'expérience. Le Seigneur a donné à chacun d'entre vous son Esprit Saint
et des charismes à mettre en œuvre. Et à chaque fois que vous avez pu mettre en œuvre ces charismes, cela vous a rempli de joie. Que serait un pasteur qui, devant les dons de l'Esprit-Saint largement répandus parmi les baptisés, pourrait dire à l'un de ses fidèles du Christ « Je n'ai pas besoin de toi » ou « Tu n'as pas de rôle dans l'Église ». C'est la responsabilité du pasteur. C'est aussi pour lui la première source de confiance, d'espérance et de joie. L'Esprit-Saint s'est chargé de distribuer ses dons pour le service de l'Église. Au pasteur, la charge de l'appel, de la reconnaissance, de l'insertion des charismes et des services qu'il suscite dans la vie de la communauté. C'est pour moi la grande joie qui a toujours éclairé mon ministère parmi vous. Et je vous remercie pour tous les charismes dont vous avez été les uns et les autres porteurs et dont je suis le témoin. C'est une grande joie de trouver toujours autour de soi les ouvriers de l'Évangile dévoués au service du Seigneur, dévoués d'ailleurs au-delà de ce que je pouvais l'être moi-même, et dont le dévouement souvent soutenait le mien quand il faiblissait ou s'attiédissait. Et je prie le Seigneur qu'il me permette d'emporter cette joie avec moi et cette espérance, et d'avoir comme première tâche dans le diocèse que je rejoins, de me réjouir de l'engagement chrétien de tant de fidèles, de diacres, de consacrés, de prêtres dans ce diocèse que je suis appelé à servir. Le pasteur ne doit jamais oublier cela, ne jamais le perdre de vue. Toujours le mettre en perspective avec ce qui, dans l'Église, dans la communauté, l'attriste, l'afflige ou le décourage. Rien, jamais, ne doit nous détourner de la certitude que le Seigneur agit dans son Église, qu'il répand largement ses dons dans la communauté des baptisés et qu'il agit au milieu de nous, et que la tentation principale qui nous guette est d'en douter ou de s'appuyer davantage sur nos seules forces que sur les dons multiples que le Seigneur a distribués, ou de chercher prétexte à notre confort, notre paresse ou notre manque de zèle en se répétant « à quoi bon ?» Ce qui nous introduit au deuxième message, celui qui est porté par l'Évangile que nous avons entendu. Second thème de la parole de Dieu, ce jour, « Tenez-vous prêts ». C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Seigneur viendra. Certes, le texte parle de la venue finale du Seigneur, mais cette venue finale est précédée dans la vie de chacun d'entre nous d'autres venues du Seigneur. Il y aura la venue du Seigneur à notre dernier jour sur la terre. À mon dernier jour, qui viendra sans prévenir, serais-je trouvé un bon serviteur, attentif au service de l'Évangile, ou bien serais-je pris au dépourvu, surpris dans la négligence de mes devoirs, dans cette forme de résignation qui sert d'excuse au manque de zèle et à la tiédeur. Le Seigneur n'a pas mesuré ses dons, mais Christian, qu'est-ce que tu en as fait? Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que le maître, en arrivant, le trouve en train d'agir ainsi. Mais, gare au serviteur négligent, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Et ce message, cette interpellation et cette charge pour chacun d'entre nous, mais que je reçois pour moi-même tout spécialement. Et puis il y a le passage du Seigneur dans notre existence. Il vient sans prévenir. Il y a des moments où tout est bouleversé dans notre vie de chrétien. Le Seigneur passe, le Seigneur appelle. Es-tu prêt à marcher à sa suite sans trop savoir où tes pas te conduiront?
Le Seigneur vient sans prévenir. Ce jour-là, il faut être prêt à servir, prêt à répondre « Me voici ». À travers la demande de l'Église, le Seigneur m'appelle aujourd'hui à être d'une manière nouvelle le serviteur à qui le Maître a confié la charge des gens de sa maison, ce qui me paraît en effet une définition de l'épiscopat. Et puis il reviendra en son temps pour me demander des comptes. C'est une perspective redoutable, alors que je me vois confier cette charge. Le Seigneur est venu comme un voleur, il a percé le mur de ma maison, il emporte tous mes biens. Je ne me crois pas prêt en ce jour de la surprise de Dieu. C'est pourquoi je me confie à sa miséricorde et je confie ma personne de pauvre et inutile serviteur et le ministère qui m'attend, et tout mon diocèse d'Aix et Arles, je dois dire non plus mon diocèse d'Auch, mais mon diocèse d'Aix et Arles, je confie tout cela à votre prière. Amen. Honneur et toute gloire
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix ». Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Cher Monseigneur, le diocèse d'Auch est heureux de vous offrir votre future crosse. À son invitation, vous avez choisi celle qui a appartenu à Monseigneur Gabriel Vanel, qui fut notre archevêque et qui, surtout, vous a ordonné prêtre le 19 mai 1996 en cette cathédrale. Quel merveilleux symbole! Sur cette crosse a été gravée votre devise. Ô Interminata Caritas, ô Charité sans borne, tirée d'une hymne grégorienne à la Sainte Trinité. Ainsi, en emportant avec vous ce bâton pastoral de votre diocèse d'origine, nous sommes certains que vous ne pourrez pas nous oublier. Cher Monseigneur, paissez bien vos nouvelles brebis. Après la grêle, les tempêtes et tout ce que tu as pu essuyer pendant tes années de séminariste à Eosa, voici un grand cadeau de l'Armagnac. Tu peux l'ouvrir immédiatement. Non, mais les récoltes ont été quand même assez bonnes, avec les grâces que tu nous as obtenues aussi. Nous t'offrons quand même, de la part de tous les prêtres et tous les amis du diocèse, un souvenir que tu puisses partager agréablement, un souvenir
de l'Armagnac et du pays du Gers. Cher Christian, nous vous remettons au nom de tout le diocèse une participation pour votre future installation dans notre belle Provence. Comme je leur disais, vous n'avez pas entendu, après le spirituel, le spiritueux. C'est souvent comme ça dans le Gers quand même. Hein. Alors je suis très touché par la proposition de Mgr Lacombe de me confier cette crosse de Mgr Vanel. Comme cela a été dit, c'est lui qui m'a ordonné prêtre ici même. Donc ça voilà, un poids tout particulier, un signe tout particulier pour moi que d'emporter du diocèse d'Auch le bâton pastoral pour exercer ma charge dans le diocèse d'Aix et Arles, avec voilà, le souvenir et l'intercession, j'espère, de Mgr Vanel, son soutien, lui qui repose ici. C'est presque un de mes premiers actes comme vicaire général d'avoir organisé les funérailles, les obsèques de Mgr Vanel dans sa cathédrale, ici même. Je ne vais pas en ajouter davantage, simplement vous remercier tous d'être venus ce soir, tous ces visages familiers qui chacun porte un moment, passer ensemble un bout de chemin sur les voies du Seigneur qui a été partagé, parfois long, parfois plus bref, mais toujours dans la joie, dans la paix et dans l'action de grâce pour le Seigneur. Un mot spécialement pour mes frères prêtres, c'est sans doute le plus dur de la chose, c'est de quitter le presbytérium qui m'a imposé les mains dans cette cathédrale, de quitter les frères, prêtres, et bien sûr, celui qui quitte frère, mère, père, reçoit au centuple, mais n'empêche que pour l'instant, c'est un peu dur quand même. Alors merci, merci chers frères, et je vous porte dans le cœur, dans la prière, et portez-moi aussi dans le cœur et la prière. Merci à Mgr Lacombe, notre chemin commun aura été que trop court dans ce diocèse. Je vous remercie pour votre fraternité et votre accueil. Merci à Mgr Mika d'être venu partager ce moment. Merci à tous ceux qui ont préparé cette célébration, qui l'ont animée. Je ne vais pas les nommer parce que c'est la chose à ne pas faire, on en oublie toujours, mais c'est grâce à eux que nous avons passé ce beau moment. Et je n'oublie pas tous ceux qui ont préparé le temps que nous allons partager ensemble maintenant à la maison diocésaine, un temps de convivialité, des agapes, parce que la charité fraternelle vécu à la table du Seigneur, se retrouve fraternellement en partageant le pain et le vin de la terre du Gers que vous avez porté et qui va nous nourrir tout de suite dans la maison diocésaine. Merci, chers frères et sœurs dans le Christ, et de tout cœur, votre foi me porte et votre prière me soutient. Amen. Merci, cher Père Christian, pour ce que vous nous avez apporté, pour vos paroles chaleureuses et encourageantes qui continuent à nous mettre sur les chemins du Seigneur, dans sa vigne. Et heureux de poursuivre la mission avec les frères prêtres, diacres du diocèse, les communautés religieuses présentes ce soir aussi, et puis vous qui avez fait de la route, de l'Armagnac et de la Rivière Basse, de la Starac, de Vic-Fezensac, des ports de Gascogne, de la Lomagne, de la Save-Gimone. Nous sommes encouragés par ce que nous a donné le Père Christian et nous sommes prêts, comme il l'a dit, nous sommes prêts pour annoncer l'Évangile. Je m'associe aux remerciements qui ont été donnés pour ce beau temps de célébration et j'espère que nous allons nous retrouver maintenant nombreux pour un moment plus
plus fraternel, plus proche avec notre ami Christian. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous prenne en grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous accorde la paix. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Du Seigneur. Yeah.